nous voulons bien être à la page de l'actualité. Voilà pourquoi nous allons au fin fond chercher ceux qui peuvent décrypter, ceux qui connaissent l'histoire de notre pays pour nous aider afin que la nouvelle génération puisse comprendre les passés de notre pays et l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous appeler parce que la fois passée, on lui avait donné peu de minutes. Vous avez voulu à ce qu'il puisse parler parce que lui, quand il parle avec le cœur et la passion, la vraie passion de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle le doyen Maurice Likuo. Il est dignitaire de l'ordre national des Léopards. Il est là avec nous. Également, le dernier chargé de mission du maréchal Mobutu, monsieur Maurice Likuo, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. À vous autant. Voilà, avec vous aujourd'hui, nous avons fait appel à vous parce que l'actualité oblige à ce que vous puissiez décrypter avec nous ces sujets autour du cardinal, le feu cardinal Mosengo. On a appris dans le couloir, on a fait nos recherches que vous étiez très proche de lui. Vous avez eu à faire tout un parcours avec le cardinal Mosengo. Voilà pourquoi on a voulu à ce que nous puissions décrypter avec vous autour de ces sujets. Et aussi, nous allons parler de l'histoire de notre pays. La Congolité reste toujours d'actualité. La fois passée, j'étais avec vous ici. Vous nous avez amené les images des Kadiombo. Aujourd'hui, nous allons encore amplifier, comprendre pourquoi ces dignes fils de ces pays Kadiombo nous a quittés. Est-ce pour la lutte de la Congolité? Est-ce qu'il y a les ennemis de cette Congolité ou pas? Nous allons chercher les vraies réponses avec vous et puis à la fin, essayer un peu d'analyser l'actualité. Vous étiez au four au moulin pour les dossiers Gabriel Moka des maisons et des créances. Nous allons parler et l'actualité en général. Mais commençons par la première actualité ou le premier sujet. Vous avez appris avec nous la mort du feu, le feu cardinal Mosengo n'est plus. Quoi retenir d'abord de cet homme Mosengo? Un politicien, un homme de l'église éclairé ou quelqu'un qui était comme un pont pour servir les autres d'avoir le pouvoir? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler du cardinal Laurent Mosengo. Effectivement, vous savez, personnellement, je ne suis pas allé à ses obsèques parce que vraiment, j'ai toujours jusqu'à présent l'émotion. L'émotion parce que je suis parmi les confidents du cardinal Laurent Mosengo. Et si je l'ai connu, c'est par le canal du maréchal Mobutu. Lorsqu'il était élu président de la Conférence nationale souveraine, le maréchal m'avait chargé d'une mission. Je devais le rencontrer, on devait parler avec lui. Je ne dirai rien, mais je vous informe seulement que juste après son élection, son oncle qui s'appelle Jean-Paul Mputu, Bossé Kota, actuellement il est à Bruxelles, c'est lui qui m'a conduit auprès du cardinal lorsqu'il était au centre interdiocésain. J'ai parlé avec le cardinal pendant 45 minutes. D'ailleurs, Jean-Paul, je me souviens très bien, il était même étonné. Il m'a dit, mais d'habitude, à cette époque-là, il était toujours archevêque, il n'était pas encore cardinal. Il dit, mais l'archevêque reçoit les gens pas plus de 10 minutes. Mais vous avez fait 45 minutes, plus de 45 minutes avec lui. Qu'est-ce que vous avez parlé? Hein? C'était donc des sujets très importants. Moi, je lui ai dit oui. Mais seulement, c'est un sujet que je ne peux dire à personne. Vous avez posé, vous m'avez demandé de parler du cardinal Mosengo. En tout cas, le cardinal Mosengo avait une intelligence, je peux dire, extra surnaturel. Je n'ai jamais vu un homme intelligent comme le cardinal Mosengo. Malgré sa manière de parler. Oui, il parle doucement. Doucement, mais c'est un homme éclairé. Oui, oui, il parle 14 langues, okay. Même l'araméen, la langue
de Jésus le Christ. C'est un homme que j'ai connu, franchement, c'est un homme hautement politique. Et beaucoup de gens croyaient que le cardinal Mosengo était l'ennemi du maréchal. Au contraire, il y a de ces choses que je ne peux pas dire, mais c'est le cardinal qui a sauvé le pouvoir de Mobutu. Et c'est grâce à lui qu'il n'y a pas eu bain de sang ici dans la capitale. Ça, c'est la vraie histoire. Parce que je rappelle ici que vous n'êtes pas un parachuteur. Non. Le dernier chargé de mission de Mobutu. À cette époque, il y a ceux qui pensaient que le cardinal il était contre Mobutu. Non. Vous vous confirmez ici devant l'histoire que c'est lui-même qui avait sauvé. C'est grâce à lui. Okay. C'est grâce à lui qu'on a sauvé la ville de Kinshasa. Et c'est comme j'avais dit sur l'autre chaîne de télévision, il y a de cela deux mois, la même chose comme beaucoup de gens croyaient que Papa Étienne Tshisekedi était ennemi à Mobutu. Au contraire. C'est ce qui sautait aux yeux. Déjà. Oui, c'est ce qu'on... Mais la politique, je peux dire, excusez-moi le terme, la politique vraiment n'a pas de différence avec la sorcellerie. Donc pour comprendre la politique... C'est comme pour comprendre la sorcellerie, il faut être sorcier. C'est comme ça que je dis, le cardinal Mosengo, depuis ce jour-là, j'étais parmi ses confidents. Et ce que moi, j'ai échangé avec lui, et chaque fois j'allais le rencontrer, même lorsque, avant d'aller en exil, et même à mon retour d'exil, en tout cas, c'est un homme. Et il m'avait aussi sauvé la vie. Il m'avait sauvé la vie, puisque je me souviens, lorsque je passais sur les plateaux de télévision, parce que, comme je vous avais dit, que j'étais parmi les gens, avec Gabriel Mokia, Bomanza, et les Christian Badibangui, qui avaient vraiment affaibli le pouvoir de Kabila. Alors Kabila... À l'époque, c'était tout fait, tout flamme, oui, parce oui. que vous passez... Oui, sur oui. le plateau de télé, donc c'était compliqué. C'était compliqué. Alors, Kabila voulait m'arrêter. Moi-même, moi personnellement, je ne savais pas. Il avait tenté plus de 4 ou 5 fois. Mais cette fois-là, lorsqu'il avait ordonné, je ne cite pas les noms des gens ni des services, on a lancé les hommes, on allait lancer les hommes pour m'arrêter. Et c'est le cardinal qui était au courant. Il avait téléphoné. Quelqu'un qui était à cette époque-là ministre de l'information et l'ami intime de Kabila à cette époque, je ne cite pas de nom, il avait dit à ce ministre qu'appeler le président de la République de ma part, dites-lui que dans le signataire d'un tel, il y a le mandat d'amener de l'ICOUR. Mais je vous avertis que on venait d'arrêter Atundu. Alain Atundu Oui, oui, lorsqu'il était arrêté. Oui, oui, on l'avait jeté à Makala. Alors, c'était à cette période-là. Il dit, mais vous avez arrêté Atundu. Atundu se trouve à Makala. N'essayez pas d'arrêter l'ICOUR. Si vous arrêtez l'ICOUR, vous ne savez pas ce qui peut advenir. Même pour vous. Alors, il ne faut jamais lancer vos hommes. C'est comme ça que moi, je ne savais pas. Deux jours après, moi, je suis allé voir, disons, son beau-frère, hein, le mari de sa sœur. Alors, c'est à partir de là qu'on me dit, mais Maurice, vous, vous êtes là, mais vous ne saviez pas ce qui allait vous arriver. Moi, je dis, mais comment? Alors, il m'a raconté l'affaire. Il dit, mais maintenant, tu devais déjà être arrêté. Je dis, ah bon? Alors, il m'a raconté. Je dis, bon, alors je suis allé voir le cardinal. À cette époque-là, il n'était pas encore cardinal. J'arrive, il me reçoit avec un sourire. Il dit, mais qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Moi, je te croyais déjà en prison. Moi, je dis, mais je sais que c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Alors, il arrive, il dit, bon, j'ai déjà acheté... enfin, il s'est vraiment blagué. Hein. Il dit, j'ai déjà acheté un sac de riz et un sac de foufou. Si on vous arrête, moi-même, je viendrai vous laisser ça à ma cala. Mais seulement, il faut modérer votre bouche. Ah. Donc, je vous donne cet exemple pour vous montrer à quel niveau
On était vraiment l'attachement. Donc vous étiez très lié avec très lié. La personne. Très lié. Mais c'est bien. Hein, d'ailleurs, que... entre parenthèses, il m'avait même envoyé en mission deux fois à l'étranger. Et cette mission-là, ce n'était que lui et moi qui connaissions. Dans les cardinals Mosengo, vous avez envoyé en mission. Voilà, j'aimerais préciser à nos téléspectateurs, je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre. On est en train de passer également en direct sur YouTube, PS TV HD, vous espacez, officiel. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde. On est également sur Canal Plus, fréquence 349. On est sur Easy Startime et tous les bouquets possibles. La PS TV, c'est la production. Mais dans cette émission, au centre, deux fois, on reçoit les hommes de Dieu pour des débats autour des Écritures. Également, on reçoit les historiens et les politiciens pour aider quand même cette génération à comprendre les passés, les présents et comment projecter notre futur pour que les Congos soient quand même sauvés. Mais le deuxième aussi du coup, il y a tant de choses que nous allons parler avec vous. Je rappelle que vous êtes le dernier chargé de mission du marché Mobutu, également dignitaire de l'ordre national des Léopards. Et je suis très content et je remercie et je félicite aussi le président Félix Tshisekedi d'avoir élevé C'est ça même la question. Vous m'avez à ce rang-là, il mérite. Vous m'avez par pensé, rapport à d'autres personnes. Il y a ceux qui pensent que le feu Mosengo cardinal, il ne méritait pas d'être élevé au rang des héros ou du grand cordon parce que il était à côté même de la mission de l'Église catholique. Au contrairement aux autres qui se sont sacrifiés, ils ont même payé les prix les plus grands pour la nation. Au contraire, ça c'est très mal connu. Comme je venais de vous dire au début là, en tout cas, il faut être sorcier pour connaître la sorcellerie. Comme ce sont des gens qui ne sont pas initiés dans la haute sphère politique nationale et internationale. On ne pouvait pas comprendre ça. Même comme je dis, ils peuvent même être étonnés, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et en tout cas, je remercie Félix Tshisekedi d'avoir élevé Monseigneur Mosengo à ce titre-là. Et vous voyez bien, un instant, vous voyez bien que, comme je vous avais dit, ce titre-là de dignitaire n'est pas donné à n'importe qui. Et je crois que vous avez constaté, même pendant cette cérémonie, il y a de ces grands officiers de l'armée qui n'avaient pas de médailles. Mais il y en a d'autres qui avaient des médailles. C'est pour vous dire que ces médailles-là, on ne distribue pas ça comme on distribue de l'hostie. Vous à l'église. En avez parce que vous avez oui, par rapport à votre combat. Ce sont ceux qui méritent, ceux qui ont rendu de loyaux services à la nation. Et lui, qu'est-ce que lui a fait? Parce que. Non, moi je te connais. Vous voulez me tirer le fait d'une. Je ne dirai rien. On est à la télé. Oui, je ne dirai rien. Le monde nous suit. Il y a ceux qui sont à la diaspora, ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Lorsque nous vous avons sur le plateau, nous faisons un saut dans le passé pour comprendre quand même l'histoire de notre pays. S'il faudrait faire une analyse comparative, prenons Marshall Mobutu, on prend Kassavubu, on prend Lumumba, on prend Musée Laurent Désiré Kabila, on prend Tshisekedi. Je prends d'abord les trois. Je prends Lumumba, je prends Laurent Musée Désiré Kabila, je prends Tshisekedi parce que lui aussi il a été élevé, je prends Tshisekedi parce que lui aussi il a mérité les honneurs de la nation. Et non. Et Mosengo. Essayez un peu de nous donner les qualités de chacun. Vous êtes encore enfant, c'est pourquoi vous ne connaissez pas certaines personnes que vous citez. Élevé qui? Tshisekedi. Mais pourquoi est-ce que Tshisekedi est arrivé premier ministre? Il n'a pas mis les pieds à Kisangani. Non, ne citez pas des gens pour par plaisir. Non. Tshisekedi, mais les 500 000 morts pendant la rébellion mouléliste, qui est à la base? Bon, évoluons dans notre... Parlons seulement de... Non, c'est important. S'il vous plaît. Je vous ai donné ça, cinq c'est... noms. Vous injuriez... la qualité de chaque nom que j'ai cité ici. Vous injuriez même les gens de Kisangani. Parce qu'ils ne veulent jamais entendre parler de ce nom-là
comme les Soumialo, comme les Moulélé, comme disons ce groupe-là qui a fait, qui ont fait la rébellion. Selon vous, Kizenga ne mérite pas d'avoir même les honneurs de la nation, non. Contrairement. Vous savez, je vous dis seulement une petite chose me concernant. Vous savez quelle séquelle ces gens ont laissé à moi, à l'âge, je dis bien à l'âge de 16 ans. J'étais encore adolescent. J'ai assisté à des scènes de tuerie terribles. Et jusqu'aujourd'hui, imaginez-vous, vous voyez l'âge que j'ai actuellement. Je ne supporte même pas voir du sang. Si le matin, je vois du sang, même quelqu'un qui est blessé, terminé toute la journée, je suis foutu. Et je deviens nerveux. Jusqu'aujourd'hui. Et il ne faut pas égorger, même pas une poule, même pas n'importe quel animal politique en ma présence. Vous pouvez égorger, vous pouvez préparer, je viens manger. D'accord, mais pas en ma présence. Et tout ça, c'est à cause de ce que moi j'ai vécu. À l'âge de 16 ans, ce qu'eux ils faisaient à Kisangani et chez moi, au village. Alors ne parlons même pas de ça, parce que sinon ça risque de réveiller des mauvais souvenirs. On comprend que vous écartez Kizenga, il ne mérite pas. Prenons Étienne Tshisekedi. Oh non, là vraiment Étienne Tshisekedi, Mobutu, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. D'ailleurs c'est Étienne Tshisekedi qui a fabriqué Mobutu politiquement. Lorsque Mobutu est arrivé, Mobutu a fait le coup d'état. Mais il a eu cette idée-là de qui? Parce que beaucoup de gens croyaient que Mobutu et Tshisekedi sont des ennemis. Mais ils portaient la même tenue, le même accoutrement. Et c'est Tshisekedi qui a fait de Mobutu qu'il soit ce qu'il était. Mobutu, lorsqu'il a pris le pouvoir, mais il était un vrai soldat. Mais Mobutu s'est mué en politicien charismatique. Mais qui a fait de lui ce qu'il était? Hein? Mais c'est papa Étienne. À tel point que... Enfin, je ne veux pas entrer en détail dans d'autres histoires. Même le manifeste de la CELE. Ce n'est pas Mobutu. Ce n'est pas Mobutu. Même celui qui a fondé les MPR. C'est Tshisekedi et Ramazan. Mais c'est grave. Ah mais oui. C'est du coup. Mobutu, lui, Mobutu, lui, il a créé le CVR. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de votre... Le CVR, Corps des volontaires de la République. Mais qui était muet. Qui a fait muet le CVR à l'MPR? Qui a rédigé le manifeste de l'Ancelé? Écoutez, Delphine, évoluant. Alors, l'histoire de notre pays a été mal écrite en vous écoutant. Il y a certaines vérités cachées. Non, mais parce que beaucoup de gens prennent ce qu'on raconte dans la rue. La vraie histoire de notre pays, on ne l'a pas encore écrite. Non, pas merci. Encore. Voilà, je rappelle que le deuxième Oxiduko que vous voyez ici, il est dignitaire de l'ordre national de l'EPA. Il a été élevé par la nation également. Il fit les derniers chargés d'émission du Marshal Mobutu. Voilà pourquoi il nous révèle des choses. Cette émission et puis, s'appelle au centre. Je souligne aussi une chose. Sur une chaîne de télévision, hein, j'avais même dit à vos confrères, j'ai dit que vous voyez la place qu'occupe Félix aujourd'hui, de président de la République. Si c'était papa Étienne Tshisekedi, avant même de prendre même son secrétaire général de l'UDPS, parfois il allait faire étonner même les gens, il pouvait me prendre moi avant tout. Oui. Et il y a des raisons. Et je me limite là. Il y a un autre nom, parce que lui aussi, il a été élevé au rang de héros. C'est Mosé Laurent Désiré Kabila. Il mérite. Lui, quand même, mérite. Il mérite. Il mérite parce que là. Étienne Tshisekedi mérite. Étienne Tshisekedi mérite, selon vous, mais je vous ai cité parce que... un autre nom. Parce que, vous savez. On, voilà. Vous savez pourquoi moi je dis. Il mérite. Il avait posé un acte. Pour sauver la ville de Kinshasa, que beaucoup de gens ne le savent même pas.
lorsque les troupes françaises et belges qui étaient ici, en face de Brazzaville, voulaient mettre à feu cette ville, qui a sauvé? C'est Papa Étienne. C'est comme ça que je dis Kokota Makambo ya Mobutu na Papa Étienne était. Ça, c'est leur problème, Yabango. Mais il y a eu autant de morts hein, par rapport à leur combat. Ça, Papa, Delphine, c'est moi qui te dis voilà. La politique et la sorcellerie sont des jumelles. Donc, tu sais qu'il est le père de la démocratie. Mais oui, alors, tous les deux. Voilà, merci. Merci. Alors, je vous ai cité un autre nom que vous ne voulez pas répondre. C'est Laurent Désiré Kabila. Lui aussi, il a été élevé au rang d'héros. Lui, quand même, mérite parce que vous ne voulez pas de Kizenga. Vous avez mais dit, vous savez, Laurent Désiré Kabila, on l'a proclamé héros par des flatteurs. Vous dites? Par des flatteurs. Il ne mérite pas ça. Laurent Désiré Kabila. Il sera tôt ou tard jugé à titre posthume. Comment ça? Mais les 12 millions de morts, qui a mené la FDL ici? Qui a mené les Rwandais, les Érythréens, les Somaliens, les Tanzaniens, tout ça? Mais, écoutez, d'ailleurs, l'autre fois, on avait parlé de ce problème avec vous sur ce même plateau de télévision. Alors, pour gagner du temps, il y a des actualités qui sont très importantes. Ça, il faut ignorer ça. Je comprends que le nom de Musée Laurent Désiré Kabila vous énerve. Non, ça ne m'énerve. Écoutez, moi, je suis nationaliste et patriote. Vous autres, je ne dis pas vous, mais je dis vous autres, d'une manière globale, il y a trop de flatteurs ici chez nous. C'est comme ça que, dans notre pays, on aime les flatteurs. On aime les gens qui dansent les djalélos pour soutirer quelque chose, pour vivre. Mais lorsque quelqu'un vous dit la vérité, aux yeux est un ennemi. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas flatteur, c'est comme ça que je vous dis. Il y a de ces gens-là qu'il ne faut même pas citer. Mais on peut quand même retenir le testament laissé par Laurent Désiré Kabila. Quel testament? N'ai jamais trahi le Congo. On avait ça déjà traité de ce problème avec lui. Qu'est-ce que lui, il avait fait? Il avait trahi le pays. Comment pouvez-vous comprendre un nationaliste qui prétend être nationaliste? Il doit aller pour arriver au pouvoir, il doit aller prendre des armées étrangères. On vient l'installer, on tue ses propres frères et sœurs. Et on le proclame pour ça. Non, écoutez, je te supplie, hein. Progressons dans voilà. Notre émission. Vous avez compris que quand Maurice Ducot parlait des autres, il était très à l'aise, mais quand il parle de Laurent Désiré Kabila, c'est comme si je l'ai provoqué. Alors, mais qui a détruit même la congolité que vous allez aborder? Parlons-en, parce que vous pensez que Musée Laurent Désiré Kabila, c'est lui-même qui a détruit la congolité, le débat est en place de ces sujets congolité. À la diaspora, il y a ceux qui nous appellent que quand le vieux Maurice Ducot parle de la congolité, il nous donne des références, il maîtrise bien l'histoire de notre pays. Vous avez dit la fois passée que ça servirait même à rien que Noël Tchani aille déposer cette proposition parce que dans notre constitution, dans nos lois, déjà, avant de devenir président de la République, il faut être congolais des pères et des mères. Vous confirmez ça? C'est depuis 1959. Depuis la loi fondamentale. Donc le problème de congolité, comme je vous avais dit, mais ça n'existe pas chez nous. Ça, c'est vraiment de la pure distraction. Comme ici, chez nous, on est habitué à la distraction, c'est-à-dire danse, musique, la bière, tout ça. On est habitué à la distraction et on vous amène même la distraction en politique. Mais ce problème-là de congolité, mais ça n'existe pas. Même lorsque on parle de congolité, maintenant, on fait de ça toute une histoire, jusqu'à faire l'apologie même de M. Tchani. Mais je doute fort, parce que dans la constitution qui nous régit à cet instant, mais ouvrez, lisez l'article 72, comme nous les Belges nous appelons 72. Tout est clair. Vous les Belges. On dit mais nul ne peut être candidat président de la République s'il ne remplit les conditions suivantes. Double point. Okay. Première condition,
posséder la nationalité congolaise d'origine. Ok. Un instant. Mm. Si le législateur a ajouté ce terme-là d'origine, origine veut dire quoi? C'est-à-dire de père et de mère. Si le législateur n'avait pas limité cette restriction de père et de mère, on pouvait même ajouter, il faut être de père, être donc de nationalité congolaise d'origine et d'acquisition. Quelqu'un ne peut pas briguer le poste de président de la République avec une nationalité d'acquisition nulle part. D'ailleurs, l'autre fois, lorsqu'on avait fait l'émission avec vous, souvenez-vous, puisque moi je n'oublie pas, j'ai une grande mémoire. Okay. Je vous avais posé la question, je dis, citez-moi ne fût-ce qu'un seul pays au monde, il y a combien de pays? Où vous trouvez un chef de l'État qui n'est pas originaire de ce pays-là? Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé le nom de pays. Quel pays? On parle de la France. Là, on a copié notre modèle donc de vous, la démocratie. Donc, le président français. Attendez, vous m'avez posé la question. Oui. On nous suit partout dans le monde. Bon, quelqu'un qui habite en France, il m'a envoyé cette réponse. Qu'il dit au doyen Maurice Nico, qui est ici en France, il y a des présidents qui ne sont pas des Français. Bon, d'accord. Prenons Sarkozy, prenons François Hollande. Ils sont beaucoup. Alors, bon, écoutez. Puisqu'il s'agit d'un autre pays que nous allons parler, le cas de Sarkozy. Okay. Le cas de Sarkozy, oui. Sarkozy n'est pas français à 100%. Mais il a été président. Un instant. Okay. Mmh. Un instant. Mmh. Mais Sarkozy, il est de quelle génération? Je vous donne un exemple aussi. Okay. Parce que l'autre fois, vous m'aviez posé la question sur. Vous avez dit que même Obama. Mmh. Oui. Oui. Maintenant, je vous donne l'exemple même de Sarkozy, comme vous venez de dire, même d'Obama. Okay. Puisqu'il faut pénétrer la matière avant de parler. Mmh. Et si on fait la politique, la première chose en politique, c'est être bien informé et connaître mieux l'histoire. Okay. C'est le papa de Obama qui ne pouvait pas briguer le poste de président. Parce que il avait la nationalité américaine d'acquisition, donc naturalisée. Tandis qu'il a mis Obama au monde, lorsque lui, il avait déjà la nationalité américaine. Donc Obama, lui, il est né tout en trouvant que son père est américain. Donc lui, d'office, il est américain sans discussion. Puisqu'il n'est pas américain, de la première génération, c'est-à-dire son père. C'est son père qui s'est naturalisé, mais pas lui, Obama. C'est comme ça que il a pu avoir la chance d'être président des États-Unis. Les cas de la France. Même Sarkozy, c'est la même chose. C'est comme ça, si vous voyez les déboires que connaît Sarkozy jusqu'à ce jour, ce n'est pas seulement pour avoir coopéré avec, Kadhafi. C'est Kadhafi qui avait mis Sarkozy là en tant que président. Vous voyez? Mais c'est aussi à cause de cette histoire, lorsqu'il avait caché les origines de ses parents. Voilà. Donc c'est comme nous aussi, nous avons vécu cette situation ici chez nous. Donc, je ne veux pas aller en profondeur. Attendez. Et vous comprenez moi, déjà. Je suis journaliste. Non, non. Vous comprenez. Attendez, moi, je suis journaliste. J'ai besoin que vous puissiez parler. Le peuple nous suit. José Maïel et ma fille, bien fait. Parce que je rappelle ici que vous êtes évoluons. De l'Union sacrée. Attendez, les deux Maurice. Vous êtes de l'Union sacrée. Vous et le président Gabriel Moka et Noël Tcheny. Vous tous, attendez. Vous tous, vous êtes de l'Union sacrée. On vous charge, vous, l'Union sacrée, que vous voulez éliminer les potentiels candidats président de la République à l'élection de 2023. Il y a Katumbi, le nom de Katumbi sur qui bon. Le nom de Matata Ponyo sur qui? Gagnons du temps. Ils sont beaucoup. Attendez, je vais vous donner la parole, mais suivons d'abord l'élément. Non, non, attendez, attendez. Ne mettez pas tout d'abord cet élément, puisque je risque de perdre cette idée. 5 secondes. Je vous ai parlé, on s'est limité, Congolais
d'origine. D'origine des pères et des mères. De père et vous de avez expliqué. Ça, j'ai expliqué. Mm. Mais il y a aussi un autre élément très important que les gens ignorent. C'est quoi cet élément? Le président de la République, bien qu'il soit président de la République et chef de l'État, on lui colle aussi une autre dignité. Titre dignitaire, il est garant de la nation. Pourquoi on lui ajoute cet honneur-là de garant de la nation? Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi on appelle un chef de l'État garant de la nation. Parce que il n'est pas seulement chef de l'État des vivants. Il est chef de l'État de ceux qui sont aussi morts et aussi des générations à venir. C'est ça la nation. Merci. Bon, vous avec vos... comme vous aviez dit un instant, comme vous aviez dit les demi-Dakar. Bon, lorsqu'on est demi-Dakar, les ancêtres de demi-Dakar ne sont pas congolais. C'est comme ça qu'ils n'appartiennent pas à la nation congolaise. On appelle trop de messages, c'est vrai. Oui, maintenant vous pouvez mettre votre élément. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, également en direct sur notre chaîne YouTube PSTV, PSTV HD, espace officiel. Là, vous nous suivez en direct également sur Canal Plus Fréquence 349. Prenons d'abord cet élément, nous allons revenir d'une manière d'évoluer avec mon invité Maurice Likouo, également il est de l'Union Sacrée. Élire une loi pour les candidats présidents de la République, pour le premier ministre, chef d'état-major général, gouverneur de la banque, comme nous on a ajouté, et d'autres, que ne peut accéder à ce poste que celui qui est congolais des pères et des mères. Mais qu'est-ce qui fait que Batukaka y a ensemble, y a Katumbi, de Babimi, bazo regretté. Qu'est-ce qui fait que Batouane, Bakomi Kolobano, ils veulent éliminer Moïse Katumbi de son vrai nom, Dagno Soriano. Déjà, quand vous prenez ce nom, vous prenez le Moïse Katumbi, vous comprenez. Ici, moi, je ne veux pas avancer ce que je ne connais pas sur Moïse Katumbi. Je veux vous mettre les quelques éléments pour comprendre pourquoi il n'y a que l'ensemble pour la République qui se fait du sang chaud sur ce chapitre. Il y a quelqu'un qui tente d'expliquer que Moïse, normalement, Zagaya Wapi. Bon, Bino peut beaucoup soir, Bino a raison, hein, beaucoup peut ça des idées. Toi avancer. Parce que, et comme que ça, là, tu combats entre IDPS, non, ensemble pour la République. Dans la vidéo, il y a un politicien Moko, il y a un politicien Moussoussou. Et puis tu continues. Vetter. Qui est le père biologique de Moïse Katumbi? C'est le père de Katumbi. Qui est le père de Katumbi? C'est important. C'était un sujet juif, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Un blanc. Un blanc, oui, c'était un juif. Soriano. Et la mère de Katébé, c'était une princesse de Bayeké, ok, de Mwanda Bayeké. C'est où, Bayeké? Bayeké, c'est du côté de Bunkeya. Puisqu'il avait la nationalité zambienne. On a une sangha de sous la après invité. Bolandi va expliquer maman ya Katébé Katoto qui est demi-frère à Moïse Katumbi. Maman naye aza congolaise, d'où selon la loi congolaise, Katebe Katoto est congolais. Il y a Moïse Bolandi en côté. C'est très important. Il y a Mibale Bouti Kolanda, le bâtonnier Mouyambo, dire qu'il avait la nationalité zambienne. Il faut le Luka, il y a mis ça tout au bas qui ça peut être, pour que vous compreniez. Difficulté ont été kobotama kunana ensemble pour la République. Et na lingina bakisali susu vidéo mususu et gozala moi minute. Bon comprendre démarche. Ya Katumbi na période wana
bakenda kokutana na Rwanda po basola likambwa nationalité na ba mo Ibrahim. So voilà ni image na kati, vous allez voir Moïse, vous allez voir même Mo Ibrahim, vous allez voir Kagame, vous allez voir Alassane Ouattara, bakenda kokutana basola makambwa nationalité. Ça c'est un élément. Avant la chaka fait tout rambo comprendre, beaucoup l'andango beaucoup yoka que ils avaient la problématique de la nationalité. Pour que tout bas comme bas congolais, bas tout étranger, bas qui bas zambien bas comme bas congolais, c'était ça. Et vous oubliez quoi? Avant Moïse Azonga, Awa, Azalak italien, a comment qu'italien quand? Il était gouverneur na Katanga pendant plus de 8 ans. Comment se retrouva ki kaka kokima ki akye soin malamoko a comme italien? Est-ce que quand on attend que on a dit comment ki italien ou bien zala ki ndenge nini? Po zonga awa président de la République Félix Tshisekedi n'a pas ça qui est passeport congolais à zongi. Est-ce que ce n'était pas en violation il y a exclusivité nationalité congolaise. A sala qui démarche nini avec quel juge oyaloba ki sikoyo olongwe ki italien au komi sikoyo congolais. Lorsqu'à son temps un bâtonnier comme Muyambo vous dit qu'il était de nationalité zambienne, vous ne trouvez pas que votre chef jusque là aza na difficulté à identifier réellement? Parce qu'au départ, on dit papa est juif. Je comprends pourquoi vous avez la guerre. Totia élément Oyo, il y a rencontre Oyo Moïse Katumbi Bakende qui na Rwanda, Bakutana Kikuna, Naba Mon Ibrahim, Naba Kagame. Vidéo. Voici la dame par laquelle le complot de la balkanisation de la RDC a été démasqué. Il s'agit de Béatrice Safari, épouse de Rukumera, coordonnateur du M23, chargé de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi. Tout est parti d'une simple et banale fouille, qui d'ailleurs est de routine, le 18 avril 2018, à 13h, à la barrière entre la RDC et le Rwanda, plus précisément à Goma. Quelle ne fut pas la surprise de découvrir sur elle ces documents très sensibles. On y voit un mouvement intitulé Front pour la restauration du Congo, FRC en cible. Et ce qui est troublant, c'est que ce front est en connivence avec les M23 et le RASOP de Moïse Katumbi Chapo et d'autres structures avec des objectifs bien définis et des répartitions des responsabilités une fois que leur forfait sera commis. Entendez par forfait accéder au pouvoir par des voies illégales et illicites. L'arrestation de cette dame n'est pas anodine. Tenez, le 4 mai 2018, Bertrand Bissimwa va écrire une lettre à Saïd Djinit pour dénoncer l'arrestation de la dame comme l'indiquent ses documents. Alors, que contient ces documents mystères? En le feuilletant, l'on se rend compte que ce document est composé de deux grandes structures politiques et militaires. Le RASOP de Katumbi Chapwe et les ex-M23. Parmi les objectifs poursuivis de ces fameux fronts, c'est d'engager les révolutions, faire adhérer des membres. Déjà, l'on signale l'enrôlement ces derniers temps des jeunes dans le mouvement des rébellions vers le Rwanda et l'Ouganda. Et d'autres objectifs encore, c'est de faire tomber les villes progressivement et renverser les... Voilà, des retours sur ces plateaux. La télévision, c'est les temps. Nous avons cet élément, nous prend 11 minutes. Alors, la télévision, c'est les temps. D'un Maurice Dico, non comment, vous avez suivi. C'est déjà un problème très sérieux. Quoi faire pour résoudre ce genre de problème? Mais vous savez, Delphin, c'est vraiment triste pour notre pays. Lorsque je suis dans mon salon, en train de suivre les interventions de certaines personnes,
Congolais comme moi, en train de défendre l'indéfendable pour le problème de nationalité, tout simplement comme Katumbi est devenu, disons, le fonds de commerce, et ici chez nous, tu te fais mercenaire. Donc, il y a chez nous un club de mercenaires liquidateurs de notre pays. Alors, ça me fait triste lorsque ces gens-là se présentent avec des titres ronflants universitaires, ça me fait très mal. Vous savez très bien que notre pays, nous avons 9 frontières. Un des rares pays au monde qui a 9 frontières, c'est-à-dire 9 voisins. Mais si nous blaguons avec le problème de nationalité comme nous sommes en train de faire actuellement, c'est triste. C'est comme ça que moi, si j'étais au gouvernement, ou bien si j'étais à l'Assemblée, j'allais proposer, en cas d'identification des nationaux, pour obtenir une carte de nationalité ici chez nous, on ne peut pas délivrer ça, par exemple à Kinshasa, ni dans les chefs-lieux des provinces. Chacun de nous rentre à son village pour être identifié et obtenir la carte pour citoyen. Parce qu'au village, il y a ceux qui connaissent chacun de nous. Et ses grands-pères, ses parents, et on peut dire que non, yop, toebi, yote, toebi, tata, note. Mais ici, chez nous, on peut tout acheter. Regardez seulement, je prends un exemple. Ici, à Brazzaville, cité, pour avoir ne fût-ce que carte de résident, les Aïrois qui sont ici, comme tous les autres étrangers africains, pour avoir une carte de résidence élément, vous pouvez faire même 5 ans. Mais ici, chez nous, il suffit le matin, tu te lèves, ok, kakanasi mandako. Et puis, c'est comme ça que même pour les cartes pour citoyens, à l'époque, il y avait des Ouest-Africains qui en avaient. Donc, notre État est faible. Disons les autorités. Merci. Doyen Likou, sont trop complaisants. Il nous reste peu de minutes. On retient quoi sur les dossiers Gabriel Moka, ses créances et maisons? Bon, disons que en ce qui concerne les créances, puisque moi-même aussi je suis concerné, je crois bien qu'il y a quand même des tractations et nous sommes déjà avancés pour qu'on puisse résoudre ce problème qui devait déjà être résolu il y a de cela 3 ans. Parce que c'était un deal, un accord avec l'Union africaine à travers Edem Kodjo et le président de notre pays et nous. En ce qui concerne le problème des maisons de Gabriel Moka, vous savez, hier, on était à l'auditorat militaire. Gabriel Moka a été confronté avec le général Kasongo à l'auditorat hier. Bon, vous savez, en ce qui concerne les problèmes judiciaires, je pouvais vous livrer ce qui s'était passé. Mais je me réserve parce que les problèmes judiciaires, on n'expose pas ça sur la table avant que les autorités se prononcent. Merci. Mais je crois bien que le général Kasongo, ça doit lui servir de leçon. Merci. Regardez la caméra, 30 secondes. Les gens qui nous suivent partout dans le monde, ils peuvent retenir quoi de votre passage? Bon, ils peuvent seulement retenir une chose. Une chose, surtout pour le problème de congolité. Ne blaguons pas avec ce problème. C'est un faux problème pour moi. Il ne s'agit même pas d'un débat. Parce que moi, je suis congolais. Je n'ai même pas discuté sur ça. Et
Je me pose la question, pourquoi est-ce que lui-même Katumbi, Moïse, ne passe pas pour nous dire que, bon, il est qui? Rien. Mais on envoie seulement, un instant, on envoie seulement des mercenaires. Merci. Des mercenaires pour parler à sa place, pour le laver. Merci. Mais où est Katumbi lui-même pour déterminer l'opinion que voilà, je suis congolais. Tala tata nangai boye, maman nangai kombo ne boye, village merci, et boye. Merci, la question. Au lieu de recruter des mercenaires. La question reste encore très pendante. Si vous avez la réponse, vous pouvez venir. Mais je vous promets que la semaine qui commence, j'essaierai avec Francis Kalongo sur ce plateau pour avoir clair par rapport à ce sujet. Lui qui est porte-parole de président Moïse Katumbi. Restez fidèles. Mais seulement, pardon, un instant. Je crois qu'il s'agit de l'escroquerie. On est en train.